Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 12 de Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui 15h. Donc le premier défi va vous demander d'obtenir le bouclier à Butter Barn. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à Butter Barn qui se trouve juste ici sur le gameplay. Donc vous avez cette petite zone là, donc ce petit bâtiment là et ce petit bâtiment là. Pas celui-là, je pense pas qu'il ait compris dedans. Mais c'est ces deux bâtiments-là, donc la pompe à essence et ce bâtiment-là. Je pense que c'est Butter Barn. Donc je pense que c'est compris pour Butter Barn. Regardez l'enseigne, il est marqué juste là. Et ce que vous allez devoir faire en fait, c'est d'obtenir du bouclier à Butter Barn. Donc je ne sais pas si c'est obtenir en trouvant du bouclier ou si c'est simplement s'équiper de bouclier à Butter Barn. Donc si maintenant vous venez de, je sais pas moi, de requérir, c'est que vous avez deux grosses potions de bouclier et que vous venez ici et que vous les utilisez, je ne sais pas si ça fonctionne. Il faut tester, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça fonctionne. Comme je fais les vidéos, les défis en avance, bah je ne peux pas savoir exactement si ça fonctionne ou pas. Par contre, ce que je peux vous donner comme astuce, c'est de venir ici exactement. Donc c'est dans le bâtiment juste ici. Hop. Et là, vous allez voir que quand vous allez descendre, il y a des barils de bleuvage. Donc des barils qui vont vous permettre d'obtenir du bouclier. Donc ces barils sont quelque part, hein, je les cherche, voilà, ils sont là. Donc il faut savoir que vous devez obtenir 50 points de bouclier pour terminer le défi. Et là, vous avez 3 barils. Ces 3 barils vous donnent 60 au total. Donc regardez, normalement ça donne 20 par 20. Ah non, c'est 10 par 10. Ok, autant pour moi. Donc déjà, rien qu'avec ces 3 barils, vous avez déjà 30%, 30 points de PV de bouclier. Donc c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez aussi fouiller la glacière. S'il vous donne un poisson bleuvageon, eh ben, ça vous donne aussi du bouclier. Ici, vous pouvez prendre les caisses de fruits. Si vous trouvez des champignons, ça vous donne aussi des boucliers. Regardez, hop, j'ai un champignon juste là. Hop, ensuite, vous l'équipez. Hop, on est à 40 points de bouclier. Est-ce qu'il y a d'autres caisses de nourriture? Ah, les noix de coco. Les noix de coco aussi, ça vous donne 2 boucliers, donc c'est plutôt pas mal. Regardez, là, je suis à 49, il me manque un truc pour avoir un point de bouclier, pour avoir 50 points de bouclier et terminer le défi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc ici en plus? Non. Alors, ce que vous pouvez faire, ben, c'est tout simplement fouiller les coffres en haut, à gauche, à droite, un peu partout, jusqu'à temps de trouver des petites potions ou des grosses potions de bouclier. Donc là, regardez, il y a un champignon, hop, voilà, je l'utilise et là je suis à plus de 50 points de bouclier. Donc là normalement j'aurais terminé le défi. Et regardez aussi à la pompe à essence, j'avais vu au loin je crois, ouais, il y a une potion de bouclier. Ah non, c'est pas une potion, je croyais, mais non, c'est un tremplin. Donc voilà, quand vous aurez obtenu 50 points de bouclier à Butter Barn, voilà, juste ici, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de trouver un trésor en utilisant une carte de Drake. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des cartes au trésor de Nathan Drake de Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors, bien entendu, il n'y a pas tous les emplacements possibles des cartes de Drake. Et bien entendu, tous les emplacements ne sont pas obligatoires. Donc, si vous allez à un emplacement, s'il n'y a pas de carte de Nathan Drake, ben, c'est totalement normal parce que c'est aléatoire. C'est possible que la carte y soit, mais c'est possible qu'elle n'y soit pas. Là, c'est tout simplement une carte que j'ai créée où j'ai répertorié tous les emplacements de cartes que j'ai déjà vus. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi facilement, c'est tout simplement d'aller chercher des gants de Spider-Man pour vous déplacer plus rapidement dans l'île de Fortnite entre tous les points que je vous ai présentés pour visiter la map le plus rapidement possible et trouver une carte au trésor le plus rapidement possible. Donc pour vous aider à trouver des gants de Spider-Man, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants de Spider-Man.
Donc quand vous aurez trouvé une carte au trésor, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous en équiper dans votre inventaire. Ensuite, quand vous allez sur votre inventaire, sur la carte au trésor, là, il y aura des pointillés qui vous indiqueront l'emplacement du trésor de Drake. Et il y aura même une grande lumière qui indiquera l'emplacement du coffre trésor pour voir un peu sur la distance. Donc ce que vous devrez faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là. Et quand vous êtes à cet emplacement-là, vous allez devoir piocher le sol là où il y a le X pour déterrer le trésor de Drake. Et comme ça, vous pourrez ouvrir le coffre, obtenir son contenu. Comme ça, vous aurez terminé le défi parce que vous n'avez juste qu'à trouver un seul trésor pour terminer le défi. Donc quand ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander de visiter le point immergé ou le prêteur sur barque à bord d'un canot motorisé. Alors, regardez ici, vous avez le bras immergé, on peut le voir, on peut l'entrevoir, elle a enfoncé, englouti dans l'eau même. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer et réaliser le défi, c'est tout simplement trouver un bateau motorisé qui est juste ici, regardez, sur la côte. Donc, vous prenez ce bateau motorisé, comme je vais le faire. Voilà. Et là, vous allez tout simplement aller jusqu'au bras qui est immergé. Pour terminer le défi, vous avez juste à faire ça. Après, je vais vous expliquer c'est quoi la deuxième solution. Donc là, hop, vous allez jusqu'ici avec votre bateau. Et là, vous aurez terminé le défi. Alors, la deuxième possibilité, c'est de se rendre au prêteur sur barque à bord d'un canot motorisé. Alors, le prêteur sur barque, c'est tout simplement le petit bateau que vous voyez juste ici. Donc ça, c'est le prêteur sur barque. Et en fait, sur chaque partie, à chaque fois que vous allez lancer une partie sur Fortnite, le bateau va se déplacer. Donc, il ne se trouvera pas spécialement ici sur le gameplay, que par contre, le bras, il se trouvera toujours ici. Donc, moi, je vous conseille de le faire avec le bras, comme ça, c'est plus facile. Mais sinon, vous pouvez le faire avec le bateau. Mais le bateau va se déplacer tout autour de l'île. Donc, il faudra chercher après le logo du bateau pour le trouver. Et ensuite, il vous faudra un bateau motorisé, comme j'ai. Donc, il vous faudra trouver un bateau motorisé et ensuite, vous rentrez près du bateau pour réaliser le défi. Donc là, moi, je vais me rendre près du bateau. Il est juste ici. Et comme ça, je vais vous le présenter. Alors, ce bateau, l'avantage, c'est que si vous allez sur le bateau, vous aurez plein de loot. Que là, si vous allez sur le bras immergé, vous aurez pas plein de loot parce que c'est juste un bras. Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Donc, l'avantage du bateau, c'est que vous allez avoir énormément de loot à collecter. Donc, regardez, le bateau, il est juste ici. Le bateau en question est juste là. Vous rentrez, vous allez jusqu'au bateau, comme je suis en train de le faire, vous rentrez carrément dans le bateau avec votre bateau motorisé. Et là, normalement, vous aurez terminé le défi parce que vous avez juste à visiter l'un des deux emplacements avec un bateau motorisé. Et regardez, il y a vraiment full loot. Hein. Il y a un largage ici, il y a des caisses, il y a des boîtes de fruits, de nourriture. Il y a du bleuvage aussi qui se trouve ici, voilà. Il y a un coffre de Lio, un coffre spécial là. Un coffre des 7 ou un coffre de Lio. Là aussi, il y a un coffre de Lio. Enfin voilà, il y a un coffre rare ici. Il y a de la bouffe. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même barils de bleuvage ici. Voilà, il y a vraiment full. Et parfois, il y a carrément un deuxième ravitaillement juste ici. Un largage de ravitaillement jusqu'ici. Donc voilà, c'est un bon spawn si vous voulez atterrir en premier emplacement. C'est un bon spawn. Mais bon, pour réaliser le défi, moi je vous conseille quand même de le faire avec le bras immergé. Et quand vous aurez visité un des deux emplacements avec votre bateau motorisé, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le quatrième défi va vous demander de détruire des objets à Cover Cavern. Alors tout simplement, Cover Cavern, c'est tout simplement l'emplacement qui est juste ici. Donc c'est la grosse montagne. Donc c'est un nouveau lieu dit qui est apparu il y a 2-3 semaines sur Fortnite. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre à cet emplacement-là. Et ensuite, dans cette colline, donc il faudra bien rentrer dans la colline. Hein, parce que je pense pas que ça fonctionne si vous détruisez des objets là-bas. Après, c'est possible. Mais moi, je vous conseille quand même de rentrer dans la colline, dans la base elle-même. Et là, vous allez devoir détruire des objets. Donc là, ça, c'est un objet. Ça, c'est un objet. Les murs et tout ce que vous voyez, vous détruisez. Normalement, tout est comptabilisé comme des objets. Donc ça, c'est des objets. Même ce gros truc-là, la grosse citerne de bleuvage, ça, c'est un objet aussi, normalement. Tout est compris comme des objets.
Donc ce que vous faites, c'est que vous détruisez tout ce que vous voyez. Et pour terminer et valider le défi, il va falloir détruire un total de 25 objets. Donc carrément, hein, ce que vous faites, c'est que vous rentrez dans le bâtiment. Regardez, là, il y a plein d'objets, des chaises, des écrans. Regardez, ça se détruit assez facilement. Des caisses, des serveurs, vous cassez tout. Et dès que vous aurez cassé au total 25 objets dans cette base, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le cinquième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des explosifs. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller en or massif. Donc vous choisissez le mode or massif. Si maintenant ça ne fonctionne pas en or massif, ce que je vous conseille, c'est de le faire en foire d'empoigne. Donc là, normalement, le défi fonctionne soit en foire d'empoigne, soit en or massif. Je suis sûr et certain, mais si ça ne fonctionne pas dans ces deux cas-là, bah là, vous allez en solo. Mais je pense que le plus facile pour réaliser ce défi, c'est d'aller en or massif. Donc là, je vais en or massif, je lance la partie. Et ce que je vais faire, c'est d'essayer de trouver des objets explosifs pour réaliser le défi. Parce que vous allez devoir infliger 100 de dégâts à un adversaire pour terminer le défi. Alors j'ai peut-être une solution qui va peut-être vous plaire. Comme ça, vous n'avez même pas besoin d'infliger 100 de dégâts à un adversaire. Vous allez infliger 100 de dégâts à un requin. Et normalement, ça devrait peut-être fonctionner pour le défi. Après, il faut déjà que je trouve un requin parce que je ne sais pas si en or massif, il y a des requins. Alors, si je vous ai conseillé d'aller en or massif ou en foire d'empoigne, c'est parce que je pense que vous aurez beaucoup plus de chance et de facilité à trouver une arme explosive dans ces modes de jeu. Surtout quand en or massif, vous n'avez que des loot en or. Donc, logiquement, ça devrait augmenter grandement vos chances de trouver du loot, des armes explosives. Après, les armes explosives, vous pouvez utiliser genre des grenades, des lance-grenades, des pompes à essence aussi, ça fonctionne. Si vous voyez qu'il y a un ennemi à côté d'une pompe à essence, ben, n'hésitez pas à l'attaquer, à faire exploser la pompe à essence. Vous pouvez aussi le faire avec des jerrycans d'essence, faire exploser des jerrycans d'essence à côté d'un adversaire, c'est faisable aussi. Vous pouvez le faire avec des arcs explosifs aussi, parce que là il y a des arcs explosifs, donc voilà, c'est une bonne idée aussi. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement chercher soit un arc explosif ou soit des grenades. Après, je sais pas s'il y a des grenades dans ce mode, mais soit un lance-grenade. Un lance-grenade, ce serait quand même plutôt bien, voire un arc explosif. Donc, on va voir ce que je vais trouver. En plus de ça, dans ce mode de jeu, il n'y a pas de porte dans les coffres. Voilà, donc les coffres, il n'y a pas de porte à ouvrir, donc c'est plutôt cool. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de d'arc explosif ni de lance-grenade explosif. J'ai l'impression qu'il n'y a que des armes. Pourtant, sur l'image, il était noté qu'il y avait des bazookas. Donc, je pensais qu'il y avait des lance-grenades explosifs, mais des lance-grenades, mais j'en trouve pas. Donc, je vais encore visiter un peu la map. Mais si je ne trouve pas, bah, je vais tout simplement me rabattre en foire d'empoigne et chercher après un arc explosif. Donc voilà, tout compte fait, j'ai été en foire d'empoigne. Alors, j'ai pas trouvé d'arc dynamite, mais il y a des arcs dynamite, donc c'est des arcs qui utilisent des dynamites, et c'est ce genre d'arme, bah, ça fait des dégâts explosifs. Donc soit vous trouvez un arc qui lance des dynamites, soit vous trouvez des grenades collantes, voilà, comme j'ai trouvé, voilà, ceci, soit des grenades normales, ou soit un lance-grenade. Donc là, j'ai trouvé un lance-grenade, donc tant mieux. Après, ce que vous allez devoir faire, c'est infliger 100 de dégâts. Attendez, je regarde. Oui, c'est 100 de dégâts à un adversaire. Donc moi, je vous parlais des requins, parce qu'en fait, les requins, normalement, c'est compris comme un adversaire. Mais je n'en ai pas vu dans cette partie. Et là, je ne suis pas près d'une source d'eau, donc je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais voilà, faut tester. Si vous êtes à côté d'un requin et que vous avez une arme explosive, testez de lui infliger des dégâts pour voir si ça fonctionne. Donc là, ben, moi, je vais tout simplement faire des dégâts à un adversaire. Donc là, je cherche un adversaire. Je vois qu'il y en a là-haut, mais c'est pas trop ma distance. Donc, je vais me rapprocher d'un adversaire et je vais lui lancer. Je vais utiliser le lance-grenade pour lui faire des dégâts. Donc, je pense que le lance-grenade... Ouf, j'ai un peu tiré n'importe où. Je pense que le lance-grenade fait... 77 de dégâts. Voilà, donc il faut infliger deux fois un lance-grenade. En plus, je l'ai envoyé dans la tête, le mec. Faut lui envoyer deux fois, donc hop, faites attention. Anticipez le rebondissement de votre lance-grenade si vous l'utilisez. Mais voilà, il faudra envoyer deux lance-grenades pour infliger un total de 100 aux adversaires. Donc regardez, en voire d'empoigne, c'est plutôt assez simple. Hein. Vous infligez, hop, regardez, là, il y a un mec partout. Ah,
Mais je l'ai quand même touché, mais il m'a tué. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 100 de dégâts avec une arme explosive, donc toutes les armes que je vous ai citées dans cette vidéo, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le sixième défi va vous demander de détruire des pompes à essence. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des pompes à essence de Fortnite chapitre 3 saison 1. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'un de ces emplacements et ensuite détruire 4 pompes à essence. Donc regardez, là je me dirige vers une pompe à essence et ça, c'est compris pour une pompe à essence. Donc regardez, il y en a une là, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, 4, 8, 12. Il y a 12 pompes à essence rien qu'à cet emplacement là, juste ici. Donc je crois de toute façon que c'est la pompe à essence la plus grosse de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Je pense que la plus grosse pompe à essence, c'est ici. Donc là, ce que vous faites, c'est tout simplement, boum, vous faites ça, oula, oula, oulala, ouloulouloulou. C'est explosé un petit peu plus vite que je ne pensais. Et en fait, bah, regardez, là, vous avez détruit 12 pompes à essence en deux coups de pioche. Donc voilà, vous avez juste à faire ça pour terminer et valider le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le septième défi va vous demander d'utiliser des rebondisseurs de Spider-Man pour attraper une tyrolienne. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Daily Bugle parce que tout simplement, il y a des tyroliennes et il y a des rebondisseurs de Spider-Man. Donc, rendez-vous à cet emplacement-là et regardez, il y a plein de toiles d'araignée dans cette petite ville. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement rebondir sur une toile d'araignée et ensuite choper la tyrolienne. Donc, regardez, vous venez juste ici. Vous rebondissez sur cette toile d'araignée et vous spammez carré pour attraper la tyrolienne. Que ce soit en montant ou en descendant, peu importe. Hein. Vous pouvez spammer carré comme ça en montant et même en redescendant, vous pouvez choper la tyrolienne. Tout ce que vous devez faire, c'est choper la tyrolienne après avoir pris un rebondisseur de Spider-Man. Donc comme ça, ça peut fonctionner. Après, si vous voulez, si ça fonctionne vraiment pas en descendant, essayez en montant, mais logiquement, ça devrait fonctionner même en montant ou en descendant. Donc regardez, là, il y en a une. Boum, je suis monté. Donc là, vous venez ici. Regardez, hop, juste au-dessus de moi, il y en a une. Vous appuyez sur carré. Et boum, là, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le huitième défi va vous demander de détruire des barils de bleuvage. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, moi, je vous conseille d'aller sur le petit bateau qui est juste ici. Donc regardez, hop, c'est un petit bateau qui va vous permettre d'avoir des barils de bleuvage, 5 ou 10 barils de bleuvage facilement à chaque partie. Alors le seul problème de ce bateau, c'est qu'il bouge. Donc là, pour l'instant, il est ici, dans cette partie, mais peut-être que dans une autre partie, il bougera. En fait, il fait le tour de la map. Donc il faut regarder sur la carte après ce petit logo de bateau pour le trouver. Donc là, regardez, il est juste là et je vais vous montrer les emplacements des barils. Donc c'est sûr et certain que quand vous spawnez sur ce bateau, vous allez pouvoir obtenir plusieurs barils de bleuvage. Donc c'est fort avantageux pour réaliser ce défi. Donc en plus de ça, vous avez énormément de loot. Donc regardez, ici il y a un baril. Donc pour terminer le défi, il faudra détruire 5 barils. Et regardez, là il y a un baril, 2 barils, 3 barils. Voilà, 4 barils, hop, 5 barils. Donc là, normalement, j'aurais déjà terminé le défi. Mais c'est pas tout parce qu'il y a encore des barils en dessous. Donc il y en a encore un là. Voilà, ça fait 6. Encore 2. Juste là. 3, 4. Ça fait 6, ça fait 7, 8. Il y a 8 barils minimum sur un... Ah non, 8. Non, qu'est-ce que je dis moi? Il y en avait 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça, ouais. Il y en avait 8. 9, 10, 11... 12, il y a 12 barils sur ce bateau. Donc comme vous devez détruire que 5 barils, je pense que c'est le meilleur emplacement pour réaliser ce défi. En plus, vous pouvez le voir, il y a énormément de loot, énormément de nourriture. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, quand vous aurez détruit au total 5 barils, après vous pouvez aller n'importe où hein, pour les faire, mais dès que vous aurez détruit 5 barils, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de survivre au cercle de tempête. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire une partie en foire d'empoigne jusqu'à la fin parce que tout simplement il y a 5 cercles de tempête comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Donc si la partie est assez longue, vous allez pouvoir survivre à 5 cercles de tempête qui sont assez rapides et ça va vous permettre de réaliser le défi très facilement et très rapidement parce que vous ne pouvez pas mourir définitivement dans le mode foire d'empoigne. Donc vous aurez juste à faire une partie complète et logiquement vous serez à 4 sur 5 voire 5 sur 5 parce qu'il faut survivre à 5 tempêtes au total pour terminer et valider le défi pour obtenir les récompenses.
Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 12 de Fortnite chapitre 3 saison 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.